Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau mode, donc un nouveau véhicule. Et honnêtement, c'est le véhicule le mieux fait et le plus beau que j'ai pu vous présenter, et même que j'ai pu voir sur GTA V. Donc c'est une Pagani Zonda, donc qui est juste derrière moi. Et honnêtement, attention, franchement elle est vraiment magnifique. Donc voici l'avant, je vais me mettre en vue à la première personne. Regardez-moi ça. J'ai même sorti le téléphone pour voir. Allez Lester, c'est pas le moment. Pour pouvoir zoomer encore plus sur le véhicule, regardez-moi ça. Tout est vraiment magnifiquement bien fait. Tout bien fini, regardez les feux en carbone. Tout fin, tout net. Même l'essuie-glace, il est en HD. Regardez-moi ça. Petite plaque juste ici, San Andreas. Elle est monstrueuse. On va regarder du côté maintenant. Je vais mettre ici. Petit logo de l'Italie, donc sur le rétro juste ici. Les jantes énormes, pareil avec écrit, donc écrit, j'arrive pas bien à lire. Avec écrit Pagani, donc sur l'étrier, pneus Pirelli. Les jantes, elles sont magnifiques aussi. Petite aération sur les ailes. En mode roadster, donc avec une aération ici, regardez, c'est trop bizarre ça. Je trouve que c'est trop stylé et c'est vraiment trop bizarre. Deux aérations encore sur le côté, juste ici derrière les portes. Petite signature donc du créateur. On va regarder l'arrière et franchement c'est à l'intérieur que c'est le plus hallucinant. Voici l'arrière, regardez ça, on dirait un peu le pot de l'Infernus. Regardez, gros aileron, pareil ici normalement le moteur et les aérations. Regardez, c'est trop bien fait franchement, regardez la qualité du truc, j'hallucine. Même Rockstar, ils ont pas fait aussi bien. Sans être méchant. Hein. Et franchement, c'est hallucinant. Regardez, à l'intérieur, c'est magnifique. Voici l'intérieur du véhicule. Regardez comment que c'est bien fait. Regardez, c'est trop bien réalisé. Le truc pour le chauffage, là, il est trop stylé. Petite autoradio. Là aussi, petit, on dirait le mode sport, marche arrière et... Trop bien fait. Ici on a les palettes au volant, regardez les gros bâtons là. Petit haut-parleur ici avec écrit Pagani allez dessus. Franchement elle est trop belle. Petit siège baquet ici, regardez. Hop là. Avec deux haut-parleurs juste derrière le siège. Ça doit envoyer du lourd ça. Petite ceinture. Ah franchement elle est vraiment magnifique. Allez, on va monter dedans. On va arrêter de rêver. Regardez-moi ça, petit compteur comme ça, boum, tout qui marche. Les mains, stop la radio. Stop la radio. Voilà. Les mains sur le volant, tout bien. Les aiguilles qui fonctionnent. Allez, stylé. Donc ensuite, le seul petit problème, c'est que pour pouvoir l'installer, je l'ai mis donc sur un véhicule qui n'allait pas, un peu bizarre à expliquer, et du coup regardez quand je tourne à fond, bah, elle part totalement en vrille. Donc normalement ça le fait pas, mais là j'ai eu un petit souci pendant l'installation. Regardez, hop là, oh la magnifique, le petit deux roues là, et hop là, ah, moyen de s'amuser avec ça aussi, hop là. Non, sinon on va dire que cette vidéo était vraiment là pour vous montrer donc l'esthétique du véhicule, c'est ça le plus important je pense. Le niveau moteur et tout n'a pas été modifié. Et franchement, c'est vraiment un véhicule qui est magnifique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Mis à part le petit souci ici quand j'accélère et que je tourne. Ça c'est vraiment, on va dire, peut-être même le souci est que chez moi. Mais jugez surtout l'esthétique du véhicule qui est vraiment magnifique. Moi j'y mettrais un 11 sur 10 honnêtement. Il est trop bien fait, regardez l'intérieur. C'est limite l'intérieur qui m'a le plus bluffé. Comment tout est vraiment trop bien fait. Tout bien détaillé. Hop là. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre une petite note au véhicule pour voir un peu l'avis de tout le monde. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.